Alors oui, comme vous voyez, c'est pas un unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon appart étudiant et vous parler un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, je sors une vidéo par semaine et puis basta. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, les gars. Et comme vous voyez, je suis en tenue de sport, je viens de sortir du sport. Et l'assiette qui va avec, les gars, l'assiette de Colosse. Je vais pas tout manger. On essaie de bien manger. Écoutez, je viens de faire la cuisine, je pense que ça se voit un minimum, même si j'ai à peu près rangé. Donc voilà, qu'est-ce que je fais cette année? Cette année, je fais un DUT TC, donc technique de commercialisation. Et du coup, pour être bien, eh ben, j'ai un appart étudiant. Je vais vous le présenter. J'ai un petit peu galéré au niveau des appartements parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs vidéos unboxing qui sont faites dans différents appartements. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé et pourquoi je suis là et pourquoi ici, bah, c'est super bien. Donc écoutez, moi je vais manger tranquillement et puis on se trouve juste après pour le début de la vidéo. Donc c'est parti. Et bien heureux, je suis tout propre, j'ai fini de manger, je vais vous présenter du coup mon appartement étudiant. Donc c'est parti les gars, on va faire une petite vue d'ensemble sur la cuisine et le salon. Voilà comment ça donne la cuisine et le salon, comme ça. Il y a également un étage, mais ça on le verra par la suite les amis. Et il y a des éléments de décoration que j'ai laissés. Alors de base, ces deux cadres là, je vais les ramener en haut, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, ça donne comme ça. On a un canapé, bon le canapé est flingué, ça c'est un des avantages. Mais sinon, on a tout fourni, vraiment tout de fourni. J'ai quasiment rien ramené et honnêtement, bah déjà on a une machine à laver, des plaques à induction, une hotte, c'est très pratique ça. Et voilà, donc on a également un four, un joli frigo énorme. On est vraiment très bien équipé les amis. Alors oui, j'ai eu des galères au niveau des appartements. J'ai pris un premier appartement, une pièce, 350 € par mois. Et honnêtement, bah, j'ai fait ça dans la précipitation. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas assez sécurisé. Et que honnêtement, je préférais pas y aller. Donc j'ai dû tout faire déménager et c'était un peu galère. Mais sinon, je suis très content d'avoir cet appartement. Mais avant de passer au bureau, les gars, j'ai d'autres trucs à vous montrer, comme par exemple la salle de bain. On a une VMC, par contre, qui fait beaucoup de bruit. Mais voilà, petite salle de bain. Moi, j'aime bien. J'ai fait ma petite décoration. Et également, du coup, la douche. Voilà, donc classique. Mais j'ai l'avantage d'avoir de tout, mais séparé. Toutes les pièces séparées, et ça, c'est vraiment cool. Également, on a les WC juste ici. Bon, bah, rien de foufou, hein, vraiment, mais voilà. Des WC séparés, c'est toujours mieux. Petite télé que j'ai cassée durant le déménagement, malheureusement. Mais sinon, j'avais un Google Chromecast. C'est très utile si vous êtes en appartement étudiant et que vous voulez pas vous faire chier à avoir une antenne ou quoi. Google Chromecast, ça coûte vraiment 30 € et puis vous êtes tranquille pour regarder tout ce que vous voulez. Et alors les gars, j'ai quelque chose à vous présenter avant de monter en haut. Deux aspirateurs que la marque iLife m'a envoyé. Il y a déjà un petit moment et franchement bah, c'est pépite, ça m'a beaucoup servi en tant que nouveau étudiant et quelqu'un qui a fait un déménagement, enfin même plusieurs déménagements. Ils sont vraiment très efficaces, celui-ci est très puissant et du coup c'est vraiment pratique en fait. Si vous faites tomber quelque chose là, et bah, vous aspirez et puis c'est très pratique, ça aspire très bien. Et celui-ci, il lave également le sol grâce à de l'eau. Alors ça, c'était une première, j'avais jamais vu ça. Mais ça lave le sol en même temps, donc ça fait bâche et c'est vraiment super cool. Je vous mettrai tous les détails en description, mais ça, c'était vraiment pépite. Et ça m'a servi beaucoup pour déménager, emménager et voilà, rendre l'appartement propre, etc. Merci beaucoup à iLife. Tout sera en description. Vous pouvez même le contrôler par son téléphone. Enfin, c'est une dinguerie. Ok les gars, donc maintenant, on va monter à l'étage. Je vais vous montrer quelques autres choses. Les escaliers font un peu de bruit, ça c'est un défaut. Je transpire énormément, je cours partout ce soir. J'ai un partiel d'allemand demain. Est-ce que vous vous rendez compte les gars? Un partiel d'allemand demain, il est 23 h. C'est... Attention les amis, voici comment est ma chambre et mon bureau en même temps. Je vais tout vous expliquer. Alors du coup, on a un clic-clac juste ici que j'ai ramené et que j'ai galéré à monter. Mais du coup, il est beaucoup plus grand que le lit classique que j'ai juste à côté. J'ai une autre pièce à côté. Donc oui, on a monté l'étage, on a pas mal de pièces. Petite plante, franchement, de la grand-mère. Elle est vraiment super belle. Foliaire au plafond, enfin sur le mur du moins. Ça donne un petit côté sympa. Et une LED qui passe derrière. Alors oui, j'ai galéré à tout mettre. Et ensuite, bah, des néons comme j'aime bien. Voilà, juste ici, quelque chose qui passe ici, voilà. Donc les gars, on est vraiment servi en LED. Et c'est grâce notamment à une marque, mais je vais tout vous expliquer juste après. Voilà, petite décoration que j'ai installée et on est vraiment pas mal. Hop là, voilà. Alors ça, c'est vraiment le futur. Le PC est nul. C'est pas mon PC que j'utilise pour faire des vidéos ou quoi. C'est vraiment un PC de base du lycée pour pouvoir envoyer des mails et continuer à travailler à distance. Voilà, table élévatrice au passage que j'avais déjà chez moi. Mais comme j'en ai reçu une autre, et ben voilà, elle est ici. Et le siège Auraxit. Donc le siège vraiment premium, comme j'aime bien dire. Le siège premium, voilà. Très très beau. Très bien foutu. Je vous laisse aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait, les gars. L'unboxing, justement, c'est dans mon autre appartement. Et vraiment, mais on est au top. On est au top pour ce siège, tout simplement, qui est magnifique.
Et voilà, tout simplement. Projecteur que Genbox également juste ici. Alors ça, c'est très pratique également. Bon, une perceuse, mais ça, je pense que vous en foutez. Table basse que j'ai fait moi-même avec ma copine. Et oui, vous avez vu que c'est bien éclairé et que quand on fait ça, voilà, ça s'allume. Alors, c'est grâce à Goovy, une marque de produits RGB comme j'aime bien, qui m'ont envoyé tout simplement des choses. Comme ces lumières en barre pour les télés. Donc c'est tout simplement des choses qu'on met derrière les télés pour avoir une lueur. Alors là, du coup, c'est avec un PC portable qui est assez petit, ça fonctionne aussi bien qu'un écran de télé, mais comme vous avez vu, bah là c'est bleu et là c'est bleu, mais bon, ça fausse avec cette lumière là. Mais voilà, ça reste vraiment très sympa et ça rajoute quelque chose. Moi j'adore, j'ai toujours eu envie de faire des choses comme ça avec des écrans. Je comprenais pas comment ils faisaient les gens, mais voilà, c'est vraiment très beau. Alors ils m'ont également envoyé cette bande LED. Alors des bandes LED, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Et autant vous dire que bah, du coup celle en rose, parce qu'il y en a une jaune qui passe, mais bon ça c'est plus pour derrière. Alors celle en rose qui passe là, c'est celle de chez Goovy, et je peux clairement la contrôler avec mon téléphone. Je peux vous montrer parce que j'enregistre avec mon téléphone la voix, mais c'est vraiment génial. On peut mettre pas mal de modes. On va appuyer juste ici pour voir tout ça. Hop, donc des couleurs classiques, et puis après on a des choses avec la voix. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Alors à savoir qu'il y a un Velux juste ici qui donne sur un pavillon très calme. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et je pense que j'ai fait le tour. Et en parlant du coup de calme, on a une autre chambre qui est juste ici. De base c'était la chambre où est-ce que je devais dormir. Bon c'est le bordel, vous m'excuserez. Voilà, donc le bordel les gars. Et en fait, de base je devais dormir ici et avoir mon bureau juste ici. Mais je me sens mieux dans cette pièce-là. Je me sens mieux dans cette pièce-là parce qu'elle est mieux décorée, parce qu'elle donne dans un pavillon calme, alors que là, c'est directement la rue et on entend des voitures passer et tout. Donc, je préfère clairement aller dans l'autre chambre, même si, bon, voilà, ça reste quand même une chambre assez grande, beaucoup plus grande que cette pièce-là. Mais même le clic-clac, en fait, le clic-clac est plus grand que le lit-là. Bah après, c'est un truc de malade, le clic-clac, hein, c'est vraiment... énorme. Voilà, en tout cas, moi, je kiffe bien ma petite chambre, mon petit bureau, appelez ça comme vous voulez, mon petit repère à l'étage qui donne vers un côté assez calme. Franchement, moi, j'adore. Voilà, j'ai tout présenté. Enfin, il me semble que j'ai tout présenté. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez compris, je suis étudiant actuellement. Et comme vous avez vu, bah, je fais plus trop de vidéos et je fais plus beaucoup de vues. Ce que je compte faire, c'est trouver un concept ou quelque chose qui vous plaît énormément. J'avais pensé au crash test. C'est fun. C'est autre chose que les unboxings parce que les unboxings, vous en avez mangé, les gars, avec moi. Alors ça, les gars, les unboxings. Mais bon, je pense que c'est pas mal de tester autre chose ou de passer à autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi des idées en commentaire. En tout cas, les gars, moi, je vais aller réviser l'allemand. Je pense qu'une sale journée m'attend. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX. J'ai des gouttes de sueur, là, les gars. C'est horrible.